Bienvenue pour À Bon Port, nous sommes à Fort-de-France, dans cette magnifique baie de Fort-de-France en Martinique, avec à mes côtés l'équipage redoutable du défi Bel Ami, qui a navigué sur le bateau The Blue Peter, un bateau classique, qui a participé à la Transat Panerai, Transat classique. Alors je les présente rapidement, Henri Le Tulle, Jacques Tagland, Nicolas Kennedy, Jérôme de Malman. Alors déjà deux mots à l'historien qui est à bord, historien du yachting Jacques Tagland. Un bateau classique, ça peut traverser l'Atlantique? Alors effectivement, ça peut traverser l'Atlantique. Il faut savoir que The Blue Peter date de 1931. C'est un plan de l'Écossais Milne et c'est remarquable de voir qu'un tel bateau qui n'était pas conçu pour traverser l'océan ait pu le faire d'une façon assez exemplaire. Quoi. Donc défi Bel Ami, en deux mots, c'est vous qui avez eu le concept? On a eu le concept il y a 2 ans et demi avec une rencontre avec Nicolas Kennedy et on s'était dit, il m'avait dit on pourrait peut-être faire un jour la Transat et j'ai dit oui. Ce qui serait sympa, c'est qu'on a trouvé pratiquement le nom ensemble. On était inspiré par Maupassant et on trouvait que Bel Ami portait en lui, mais il expliquera mieux que moi, portait en lui toute une symbolique qu'on a vécue pendant 16 jours. Donc en clair, Nicolas Kennedy, la conclusion pour vous, c'est que finalement, vous ne repartirez jamais avec Jacques Tagland en navigation. Si, on a déjà de nouveaux projets, peut-être le Pacifique cette prochaine fois. Et cette idée, c'est qu'en anglais, un bateau, ça s'appelle she, c'est toujours une femme. Et l'idée que cette magnifique vessel, ce bateau, allait nous transformer, allait améliorer notre vie. Et c'était l'apprentissage qu'on voulait avoir pendant cette traversée, pendant ces 16 merveilleux jours de mer. Vous avez choisi l'équipage, comment ça s'est passé? C'est que des vrais amis, mais ou des amis de 30 ans? C'est des amis de 20 ans pour Henri et Jérôme. Après ça, cette rencontre magnifique avec Jacques. Et ce qui était superbe aussi, c'est quand on a vu The Blue Peter, à la précédente édition de la Transat Classique, on l'avait trouvé le plus beau. Et donc, très vite, on a été mis en contact avec le skipper, Matthew Barker, formidable, qui réellement nous a appris à naviguer parce que nous étions réellement tous des marins de papier, comme l'est Jacques Tagland. Des marins du dimanche, des marins d'eau douce. Oui, on a trouvé les premiers jours difficiles parce qu'on a eu des grosses conditions. On a commencé avec une grande houle croisée et un vent assez fort. Donc on a été directement plongé dans le bain. Et finalement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre sur un grand bateau comme ça. Donc on s'est dit que ça devait être comme ça. Puis finalement, au fur et à mesure du temps, on a trouvé nos marques. Et on avait un cuisinier à bord magnifique qui nous maintenait le moral. Et puis on était tous quand même dans cet esprit d'élégance et de course. Et donc, on est très content. Vous allez vous rapprocher un peu de moi parce que vous êtes un peu loin, on aime bien la proximité. Henri, quelques mots sur l'ambiance à bord. Donc, gastronomie, plaisir, ça allait jusqu'où le plaisir? Un plaisir en gastronomie très fort. 16 jours où on a vraiment poussé les limites de la cuisine à bord. On a commencé avec de la viande qu'on a portée religieusement de Paris à Lanzarote. Et grâce à Nicolas et à l'incroyable installation à bord, on a pu continuer très longtemps à vraiment bien manger, ce qui soutenait le moral, surtout au moment où il y avait pas mal de houle et où à mi-traversée, ça pouvait devenir un peu dur. La nourriture était là pour nous unir dans cette aventure humaine de 16 jours qui s'est révélée extrêmement formatrice pour nous tous. Bien sûr, pas d'alcool à bord, Jacques Tagland. Très peu d'alcool, puisqu'effectivement, on avait pris comme décision de ne pas boire à bord, sauf aux grandes occasions. Et il y a eu quelques grandes occasions, notamment mon anniversaire qu'on a célébré. Alors là, vraiment, avec un remarquable repas et un gâteau d'anniversaire surprenant, fabuleux. Alors Jérôme, vous me disiez quand même qu'on revient juste sur la partie maritime. Il y a quand même 2-3 incidents techniques qui peuvent se passer sur une Transat et on est obligé de réparer de temps en temps. Tous les jours, on nous a dit avant de partir, vous verrez, on peut casser un truc par jour en Transat. On était plutôt à 3 par jour, nous.
parce que les écoutes, les drisses sont en permanence sollicitées, parce qu'on a déchiré deux spies, parce que le désalinisateur, les courroies de transmission, le moteur, etc. Toujours des choses qui doivent être bricolées. Matt a un talent incroyable pour ça, pour réparer tous les jours. Il y avait des réparations, des feux de navigation, de l'accastillage et autres. Et on s'est débrouillé avec ce qu'on avait à bord. Vous avez donc pas mal communiqué. J'ai ouï dire que Nicolas Kennedy transmettait beaucoup d'informations, notamment des photos, parfois un peu privées. La communication fait partie maintenant de la navigation et du yachting d'aujourd'hui. C'est un devoir de mémoire. Quand on est parti pour faire cette transat, on l'a fait aussi pour nos enfants et on s'est dit qu'on allait pouvoir éditer un petit recueil avec le talent et la plume de Jacques. Et donc, dans un mois ou deux, on devrait avoir terminé l'affinage de ce qu'on a écrit pendant cette transat et donc publié un petit manuscrit qui devrait être assez émouvant. C'est quoi? C'est la vie au quotidien? Non, ça va être beaucoup plus joli que ça. Ça va être dans la lignée de ce qui a pu nous inspirer Maupassant avec... toutes les limites de notre talent, mais ça va être plus romancé et sûrement beaucoup plus drôle qu'un récit qui aurait, à notre avis, peu d'intérêt. Un peu de la gastronomie parce que c'était important. Vous avez embarqué quelques victuailles. 240 kilos de choses choisies pendant deux mois et demi. On est allé chercher les produits qui nous intéressaient le plus. On s'est pas trop trompé. On s'est trompé sur tout sauf sur la bouffe. Et pour revenir sur le vin, on a fait deux choses magnifiques. On avait pris 5 très grands blancs extraordinaires qu'on a bu le 5 janvier juste avant le départ. Et après ça, une bouteille exceptionnelle de chaque année de naissance des équipiers du bateau. Donc 1999, 2000, 2001. Presque, oui. On avait donc l'anniversaire de Jacques, qui était une bonne année. 2002. Voilà. Par exemple, une année mythique de 1947. Un 74, une année pas terrible, mais qui a donné naissance à un champagne absolument merveilleux. Deux sublimes Bordeaux de 75. Un sublime Bordeaux de 66 pour Matt Barker. Et puis notre jeune équipier Cory, un Bourgogne de 88 qui a tenu toutes ses promesses. Jacques Taglan, juste si vous deviez noter un peu l'équipage en toute honnêteté. Alors si on devait noter l'équipage... Henri Le Tulle par exemple. Henri Le Tulle, remarquable. On était tous remarquables. Je pense qu'on peut avoir 20 sur 20 l'ensemble parce que... Du point où nous sommes partis, c'est-à-dire quand même de grands naïfs partant à l'aventure, à une aventure à laquelle on n'avait pas tous les aspects en tête, eh bien, on s'est débrouillé comme des chefs. Celui qui vous a le plus énervé pendant cette transat, Henri? Le vent. Fatigant? Non, pas du tout, au contraire. On dort beaucoup. Et avec l'écart, on dort bien et souvent. Donc en fait, c'est pas fatigant du tout. Le mot de la fin pour Nicolas Kennedy, juste pour résumer. Si vous deviez résumer cette aventure défi Bel Ami, une aventure, qu'est-ce que vous pourriez dire? Émotion. Grande et belle émotion. Avec toujours le goût du plaisir quotidien, c'est-à-dire profiter de chaque instant. Oui, on a réussi... Parfois, on se connaissait très... Donc, il y avait Henri, Nicolas et moi, on se connaît depuis 20 ans. Mais finalement, cet équipage était un peu mélangé avec des rencontres nouvelles. Et l'ambiance à bord a toujours été bonne. C'est-à-dire que on est finalement dans un espace très confiné pendant 16 jours, nuit et jour, à se relayer avec des moments difficiles. Et on a toujours gardé une bonne ambiance à bord. Eh bien, merci à tous les quatre. Pas de mutinerie donc à bord de ce défi, Bel Ami. On vous souhaite le meilleur donc ici en Martinique où la qualité de vie est assez sympathique. Vous avez pu déguster les produits locaux, notamment le rhum de Martinique, qui reste à consommer avec modération. Je vous le rappelle, Jacques Taglan, vous qui êtes un grand consommateur de rhum. Et on se retrouvera très vite pour à bon port pour de nouvelles aventures, notamment Jacques, à l'occasion du Panerai Classico Challenge que vous pratiquez de manière récurrente et très fidèle. N'est-ce pas Nicolas Kennedy? Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.